Bonsoir, je m'appelle William Brunard, je suis leader du projet William Brunard Quartet Django Stories, en hommage à Django Reinhardt. Alors j'ai commencé la contrebasse il y a une dizaine d'années, sous les conseils de Patrick Sossois. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir jouer avec des gens comme Angelo De Bar, Birly Lagren, Stokely Rosenberg, ainsi que la jeune génération comme Adrien Moignard, Sébastien Gignot, Noah Reinhardt, Rocky Gresset, Mathias Lévy, voilà. Pour quelques-uns d'entre eux qui sont sur mon disque. Aujourd'hui, nous sommes au studio Sextant pour la sortie du disque Django Stories. Nous sommes avec le quartet de base qui est Laurent Epstein au piano, Monsieur Frank Wolf au saxophone, ainsi que Jonathan Gomis. Et nous avons eu le plaisir d'avoir Adrien Moignard et Sébastien Gignot en invité à la guitare. Vraiment, j'ai commencé le jazz par Django et en fait j'ai grandi avec ça, mais j'ai grandi aussi avec autre chose, avec tout ce qui est musique américaine, funk, musique brésilienne, pour la bossa, la samba, toutes ces musiques là. Et comme Django a composé extrêmement bien, c'était très facile de pouvoir adapter des morceaux avec toutes ces influences là. Thank you.
Merci beaucoup. C'était William Brunard Quartet avec monsieur Laurent Epstein au piano, au clavier. Monsieur Jonathan Gomis, à la batterie, s'il vous plaît. Mr. Frank Wolf, saxophone. Nous avions la chance d'avoir monsieur Sébastien Gignot en invité, ainsi que monsieur Adrien Moignard.